Bonjour, mes nymphes et papillons de venir. Alors, aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous dire. Donc voilà, je reviens de 5 jours de séminaire intensif, deux différents, mais 3 jours et 2 jours de séminaire intensif, l'un comme l'autre, et qui m'ont fait vraiment, comme dit mon amie Maria, m'a fait faire un saut quantique. Donc voilà, mon projet est devenu d'une clarté et d'une limpidité absolue. Ce matin, j'ai mis en place déjà les rituels, de nouveaux rituels. Donc, je vous l'ai dit, je vous explique un petit peu ce qui se passe le matin. Donc, moi, le matin, je mets pas de réveil parce que j'ai pas nécessité de me lever très tôt le matin. Et donc, mais je suis, voilà, j'ai quand même marqué dans mon agenda le réveil à 8 heures parce que quand j'ai ce petit monsieur-là avec moi le matin, il est, voilà, il me réveille vers 7h30, 8h moins quart, 8h, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Quand nous sommes seuls ensemble, c'est d'office levé vers 8 heures. Donc, et c'est très bien. Donc, c'est mon réveil matin. Et ça me permet, voilà, je descends, je le sors. Ça me fait me délier un petit peu le corps et me réveiller doucement. Mon corps qui se remet en mouvement doucement. Et puis, voilà, en remontant, c'est 5 minutes d'activité physique. Donc, aujourd'hui, c'était du trampoline. Je vais essayer de remonter ou faire remonter mon vélo d'appartement. Et comme ça, ce sera soit l'un, soit l'autre, selon ce que je sens et comme je me sens. J'ai l'intention aussi, dès que j'aurai la possibilité de le faire, de prendre le coaching de Julie et Meryl, Health Coach, qui ont fait un coaching manger nutritionnel. Et je regarde parce que il est occupé de manger quelque chose. D'accord. Tu peux jouer avec. Voilà. Pour ce qui est de l'activité physique, après, je passe à la douche et je vais m'habiller et je descends à mon bureau, mais pas tout de suite. Alors, j'ai ressorti mon cahier Millionaire Mind. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Non, je pense pas que j'étais déjà dans les vidéos à ce moment-là. Mais c'est le séminaire que j'ai suivi l'an passé, Millionaire Mind intensif de Thierry Wecker, ce qui a démarré mon processus de prendre l'opportunité de World Venture et démarrer là-dedans et avancer doucement, mais sûrement dans plein de choses. Et donc, c'est un exercice, enfin des exercices plutôt. Pendant 90 jours pour justement réimprimer et remettre vraiment mettre le processus en place et l'ancrer, voilà, en l'ancrer pendant 90 jours. Donc là je suis au premier jour aujourd'hui que j'ai fait. Un jour peut-être je posterai, enfin je filmerai les exercices qu'ils ont mis. Mais ce sont des exercices de kinésiologie, en fait, de brain gym. Donc, c'est mettre comme ça, faire des 8 en fixant les pouces, les oreilles et un mouvement de crisscross, moi je ne sais plus comment ça s'appelle. En fait, de crisscrossing, donc de mouvements croisés, voilà. Et donc, tout ça avec une affirmation et voilà. Et alors, je me mets en pixtech. Et aujourd'hui, le pixtech, c'était ça. Et je lis les affirmations. Donc,
ça vous peut paraître assez long. Je peux mettre un peu moins fort. Ce sont là, un jump de Van Halen. Donc voilà, c'est juste mettre en forme. Et donc, ben voilà, donc là, je suis bien en forme, bien en mouvement pour ma journée. Alors, ce que j'ai fait hier soir, j'ai mis tout ça dans mon agenda. Et donc, j'ai mis en place pour la semaine tout mon agenda. Donc le matin, ben voilà, les premiers exercices du matin, la deuxième série d'exercices et de mise en place de mouvements. Et aujourd'hui, et ben voilà, et aujourd'hui, la suite des événements, c'est ranger mon bureau parce que c'est un champ de mine. je sais où sont les choses, mais ben voilà, c'est pas très clair pour travailler, c'est pas très facile. Enfin, même si c'est, voilà, c'est mon habitude, mais c'est comme ça. Donc ma décision, c'est quand même de mettre en place, voilà, quelque chose de plus, mieux. Et donc, je vais ranger mon bureau pour pouvoir avoir une vue dégagée et claire de ce que je fais. Ça, c'est une chose. J'ai aussi mis... Voilà, afficher mes affirmations et les affiches que j'ai reçues, entre autres une que j'ai reçue pendant ces séminaires. Donc, et j'ai remis les autres qui étaient tombées, que voilà, j'avais laissé sur le côté. Donc, j'ai remis tout ça en place. Alors, c'est le processus que j'ai besoin pour garder le focus. Et garder ce tonus de mes séminaires parce que ben voilà, vous savez qu'en général je suis voilà, ça redescend très très vite et donc là je pense que on reste dans cette énergie et dans ce mouvement et si j'arrive pendant 90 jours à garder ce focus et ce processus, je pense que je serai en bonne voie. Et donc, ben voilà. Alors, ben voilà, chaque jour, j'ai fait mon agenda pour toute la semaine. Donc, j'ai mon agenda jusque dimanche. Et dimanche, je refais mon agenda pour la semaine suivante. Et donc,